En fait, le fonds de dotation CRO a été créé en 2014 sur une initiative de notre réseau, avec l'idée d'aller à la rencontre des jeunes talentueux, méritants. Et chaque année, donc, nous avons l'occasion de décerner des bourses allant jusqu'à 2000 euros à des jeunes lauréats qui sont choisis à travers un processus de sélection assez rigoureux, puisqu'il s'agit d'envoyer son dossier à Paris, où un jury va se réunir et va décerner le prix à partir de différents critères. D'abord, les difficultés sociales que peut rencontrer le candidat, mais au-delà de ça également, à travers ses résultats scolaires et son implication dans la vie éducative et scolaire. Et cette année, nous avons pour la deuxième fois une étudiante du lycée Bellepierre qui est lauréate. Et le jury a reconnu en elle évidemment son parcours exceptionnel sur le plan scolaire. Elle a des résultats excellents. Elle a 16 de moyenne pour sa première année. Elle a eu un bac S avec une mention. Mais au-delà de ces excellents résultats scolaires, il faut aussi remarquer que la lauréate de cette année est très impliquée dans sa vie associative, puisqu'elle participe véritablement à l'animation de la communauté du lycée. Et c'est ça qui a été reconnu par le fonds de dotation CRO. Donc d'abord, elle a une dotation financière de 2000 euros qui va lui servir à financer ses études et à l'accompagner. Et au-delà de cette dotation financière, il faut aussi noter que elle a effectivement droit à un stage. Et donc, on lui offrir un terrain de stage ici même au cabinet Cro Réunion. Et donc, stage qu'elle fera dans le cadre de son cursus scolaire. Et bien sûr, compte tenu de son parcours et de son talent, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'excellence, nous allons aussi l'accompagner pour son intégration dans sa vie future professionnelle, si elle le désire. En tout cas, nous sommes bras ouverts pour recueillir de notre cabinet des pépites de ce niveau.